monde, alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo haul pour vous présenter mes derniers achats faits en solde sur quelques e-shops. J'ai commandé chez ASOS, Forever 21, La Redoute et H&M. J'attends encore une deuxième commande ASOS mais qui n'est pas arrivée à temps pour cette petite vidéo. Cette partie de commande vous la verrez uniquement sur le blog. Il y a aussi quelques vêtements qui ont déjà été postés sur le blog mais je vais quand même vous les remontrer dans cette vidéo. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec ma première commande qui est faite chez Forever 21. Alors cette commande c'est un petit peu une déception parce qu'à la base j'avais commandé 6 articles et je n'en ai reçu que 4. Comme par magie, quelques minutes après que j'ai cliqué sur order, les deux vêtements sont devenus indisponibles. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça un peu con de laisser les gens commander des trucs, payer et... quelques minutes plus tard, nous dire qu'ils ne sont pas disponibles, mais bon, on ne sait rien faire avec ça. Et le truc, le deuxième petit truc qui m'a déçu, c'est qu'une des robes que j'ai commandée, je vais vous la montrer, c'est une robe à fleurs, une robe paisley, que voici, ne me va pas. Alors, chez Forever 21, en général, j'ai pas de problème de taille. Je sais que les coupes sont un peu bizarres parfois, mais la taille, moi, je prends toujours la même et ça me va toujours. Cette fois-ci, le problème vient du dos, en fait, à la taille, à la nickel. Le truc, c'est que quand j'arrive à la moitié du dos, quand j'essaye de fermer la moitié du dos, ça va pas, j'arrive plus à monter. Donc elle est trop petite au niveau du dos. Alors c'est con et je pense que je vais la recommander. Ce qu'il y a de bien avec Forever 21, c'est qu'on peut renvoyer, faire ses retours via Kiala et je pense même qu'il rembourse les frais de port, voire même une partie des frais de port, je ne sais plus si c'est un forfait, mais en tout cas c'est ce que je vais faire et je vais commander la taille du dessus. Je vais vous montrer la petite robe, donc c'est une robe assez classique avec des bretelles larges, une taille marquée, une jupe évasée et pour faire gonfler un peu la jupe, en dessous il y a de la tulle bleue, donc elle est très jolie, je vais la recommander et je vous la montrerai plus tard. Voilà, ensuite autre achat, un classique, c'est une jupe patineuse, que voici. Bon, elle est élastique, c'est vraiment un classique, il n'y a rien grand chose à dire dessus. Vous la voyez en ce moment portée, elle est vraiment basique, elle est évasée, pas trop et pas trop peu. Et c'est une jupe que j'avais achetée pour faire une tenue bleue en fait, voilà, que vous verrez bientôt sur le blog aussi, que j'ai pas encore prise en photo, mais voilà. Ensuite, troisième article, c'est une autre robe, c'est une robe blanche avec au niveau du col du crochet avec des fleurs, voilà, bon c'est traditionnel aussi. C'est aussi une AX et celle-ci me va. Elle était livrée avec une ceinture fine marron, sauf que cette ceinture, elle, par contre, était un chouïa étroite et je lui ai refait juste un petit trou pour qu'elle maille quand même parfaitement. Je savais la fermer, pas de problème, mais je me sentais un petit peu compressée, surtout qu'elle tombe à l'endroit même où il y a un élastique. Enfin, comme vous voyez, à la taille, il y a un élastique et c'était un petit peu gênant, voilà, à ce niveau-là. Et quand même il reste un petit problème, même si maintenant cette ceinture elle a la bonne taille, ce qu'il y a c'est qu'elle a tendance à se retourner et je pense que c'est à cause aussi de cette petite élastique, c'est pas extrêmement bien foutu, mais voilà, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme non plus, elle est quand même sympa et je la porte sans ceinture. C'est une robe que j'ai déjà mise plusieurs fois parce qu'il a fait très chaud et j'essaye de porter le plus souvent quand il fait chaud des couleurs claires, c'est pour ça que j'avais acheté une robe blanche. Et je l'ai aussi déjà prise en photo, vous verrez bientôt une tenue sur le blog, voilà. Et pour finir, j'ai commandé quelque chose de fun, ce sont des petites chaussettes chat, que voici. Elles sont à 3 €, elles sont sympas, il y a des têtes de chat, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous suivez le blog, j'ai déjà une ribambelle de trucs avec des chats, j'avais craqué complètement sur la collection de chat de Vans, j'ai les chaussures, j'ai le sac à dos, voilà. Et ça, ça complète ma collection, je suis une gaga des chats, et voilà mes belles chaussettes chat. Deuxième commande chez ASOS. Alors chez ASOS, je me suis montrée très raisonnable, parce que quand les soldes ont débuté, je trouve qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'était il y a quelques jours, j'ai repassé une nouvelle commande, parce que j'ai vu des trucs au crochet et aux dentelles vraiment magnifiques.
Et je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Maintenant, cette commande-là est seulement en cours d'acheminement et n'est pas encore arrivée pour que je vous la montre en vidéo. Je vous la montrerai par contre sur la page Facebook, sur Instagram et après sur le blog bien sûr. Donc dans cette commande ASOS que j'ai reçue, je me suis montrée très raisonnable parce que je n'avais commandé que deux articles, dont un soldé seulement. Alors ce que j'ai acheté de soldé, c'est un tutu. Alors vous savez, je suis folle des tutus, j'ai plusieurs robes en tutu, vous ne les voyez pas, elles sont derrière moi, mais croyez-moi, il y en a plusieurs. Alors ça, c'est une jupe assez... En fait, elle est droite en dessous. Elle est peu évasée parce qu'il n'y a pas de tulle, par en dessous en général. Comme la robe Paisley que je vous ai montré juste avant, il y a de la tulle en dessous pour que ça soit plus large. Là, pas du tout, c'est une jupe avec de la tulle par le dessus, par au-dessus. Comme ainsi. Voilà. Vous me voyez en train de défiler avec. Elle est classique, elle est un peu chaude, je le sens au niveau du tissu. Elle est sympa, voilà. J'avais envie, ça fait longtemps que je l'ai repérée sur l'e-shop, elle est un petit peu chère. J'ai profité des soldes pour me la payer. Ensuite, j'ai commandé, pas quelque chose de hyper intéressant, quoique, c'est une paire de chaussettes Vans. Alors, les chaussettes Vans, pour celles qui ne connaîtraient pas, elles sont adaptées aux chaussures Vans, c'est-à-dire qu'elles arrivent à la limite de la chaussure. Donc, vous voyez, la chaussure est comme ça. Elles arrivent vraiment à la limite du côté de la chaussure et c'est vraiment hyper pratique parce que moi, j'ai tendance à transpirer des pieds et dans les Vans, toutes les chaussettes, elles dépassent et je trouve ça vraiment hyper chiant. Les seules chaussettes qui vont avec des Vans, c'est des chaussettes blanches qui ne remontent pas trop haut. Tandis que celles-ci, comme je vous le disais, elles sont complètement adaptées. Alors là, j'ai pris des chaussettes avec des fleurs, mais il en existe des basiques. Justement, j'étais en chercher cette semaine au magasin Vans de Bruxelles, qui sont ici. C'est pareil, comme vous pouvez le voir, elles sont pareilles. Celle-ci coûtait 6 euros chez Vans boutique. Celle-ci, je vais vous mettre le prix sur la vidéo. Voilà, c'est hyper pratique. Ça va aussi super bien avec les Superga. Superga qui fait aussi ses chaussettes spéciales. Mais bon, les Vans vont avec les Superga, les Vans. Donc c'est vraiment pratique. Et moi, j'en suis folle. Voilà. Et ce n'est pas tout parce que avant que j'ai fini de monter la vidéo avec les passages que vous venez de voir et les passages que vous verrez juste après cette petite parenthèse, j'ai reçu la deuxième commande ASOS dont je vous parlais qui comporte trois nouveaux vêtements achetés en solde, dont cette petite robe verte et blanche qui est en dégradé. Vous la verrez mieux lorsque sur le passage de la vidéo je marche parce que je suis face à la lumière et à mon avis les couleurs sont beaucoup trop claires. Elle est verte et blanche en dégradé, elle est de la marque. Dia, si je me trompe, non, oui, Dia. Et elle est bien sûr en solde et totalement en dentelle. Voilà. C'est typiquement le genre de petite robe que je portais habituellement. Ensuite, deuxième article de cette deuxième commande, un t-shirt en crochet aussi. Donc vous pouvez voir les manches et l'avant est en crochet de la marque Club L. L'arrière est en tissu et c'est une couleur plutôt crème. Oui, plutôt dans les crèmes, il n'est pas tout à fait blanc. Moi, sur le site, il me semblait blanc, mais je pense qu'en le voyant pour de vrai, il est plutôt crème ou ivoire. Crème ivoire, quelque chose comme ça. Vous le voyez actuellement en train de défiler avec. Et troisième petit article de cette deuxième commande, et dernier article, c'est un autre top en crochet, toujours de la marque Club L, mais cette fois, c'est un top peplum. Le voici. Donc, vous voyez le décolleté, c'est un sans manches et peau dénudée, puisque là, en toute logique, pour le meilleur résultat, il vaut mieux ne pas porter de bretelles. Mais voilà, donc c'est un top péplum. Comme vous le savez, le péplum, le bas est évasé en bas. Vous me voyez toujours en train de défiler avec. Voilà, ça c'était ma seconde petite commande ASOS que j'intercale dans les autres parties des vidéos. Troisième commande chez H&M. Alors H&M, même si maintenant je travaille dans le centre de Bruxelles et que les H&M n'est pas vraiment pas très loin, c'est à 10 minutes à pied dans le centre à la rue Neuve, maintenant je vais quasi plus en magasin parce que je trouve que sur l'e-shop il y a vraiment tout. En plus les retours sont hyper faciles, donc moi je me prive plus, hein, je commande tout sur l'e-shop. Voilà. Alors cette commande H&M, j'ai pris quelques accessoires, j'ai encore pris des chaussettes, je sais pas pourquoi, je suis fan des chaussettes pour le moment.
J'en ai déjà acheté des tonnes chez Primark, mais là j'en ai encore pris chez H&M. Donc il y a des accessoires, il y a des vêtements, tout n'est pas soldé parce que bien sûr quand on fait les soldes, je suppose que vous êtes comme moi, mais au final vous achetez plus de trucs pas soldés que de trucs soldés. Mais voilà, je vais vous montrer ça. Alors on commence avec une couronne de fleurs. Alors cette couronne de fleurs en fait, je ne l'ai pas achetée pour la porter, quoique je pourrais, je vais vous montrer ce que ça donne. Mais... elle est énorme! Ça ne me va absolument pas, mais j'ai plutôt acheté comme déco parce que pour le moment j'essaye de trouver des petits trucs pour les mises en scène que je fais sur mes produits de beauté, sur le blog, etc. Et je trouvais que cette petite couronne était vraiment idéale pour faire des photos. Voilà, une petite couronne H&M. Puis je vous disais, on a les chaussettes. Alors, c'est un gros pack de chaussettes. Un pack de 7, je vais vous montrer, sans les retirer. Il y a des petits ananas. Elles sont roses, grises. C'est quoi, il y a des petits citrons aussi. Et là, c'est des petits palmiers. Voilà, des chaussettes, un pack de 7. Ensuite, on a quelque chose d'utile aussi. Ce sont des culottes. En promo, hein, des culottes basiques. Voilà, rouge, kaki et noir. Toujours très utile d'avoir plein de culottes aussi. Ensuite, on a enfin un vêtement. Toujours en même temps que vous. Alors, c'est un top. Mais c'est une lingerie. Hein. C'est un top sculptant en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on met sous ses vêtements. Mais ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça peut se porter. Comme si c'était un vrai top, quoi. Vous voyez, on ne voit pas vraiment que c'est de la lingerie. Donc c'est à fine bretelle, bretelle réglable, la poitrine est soutenue. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un élastique ici. La poitrine est soutenue et c'est un vêtement en fait que j'avais essayé en magasin, que je n'avais pas pris à l'époque. Et que finalement, comme je l'ai vu sur le site, je l'ai pris. Ensuite, on a... un top marin avec des bretelles larges. Alors c'est un top qui va me servir, c'est une exclu, mais c'est un top qui va me servir avec la petite jupe bleue pour faire un look marin. Voilà, je vous remonte. Vous me voyez défiler avec. Voilà, classique en solde de chez la gamme grande taille de H&M. Et voilà, c'était tout pour ma commande H&M. On va passer tout de suite à la dernière commande, qui est la commande de chez La Redoute. Alors chez La Redoute, j'ai fait vraiment une super bonne affaire. Je ne sais plus vous dire exactement la somme du montant soldé que j'ai économisé, mais c'est genre la moitié du prix plein. Mais souvent chez La Redoute, en fait, ils font une grosse marge et ça leur permet de faire des énormes prix soldés. Notamment avec le trench à pois que vous voyez ici. Alors c'est un trench que vous avez déjà vu sur ma tenue French Curve que j'ai postée le 16 de ce mois pour le challenge, donc qui regroupe des tenues selon un thème de filles rondes, de blogueuses rondes. Alors c'est un trench, si vous n'avez pas vu le post, ce trench... je l'ai eu à moins 74%, ce qui est énorme. Au final, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Je suis hyper contente. Cette année, en fait, je n'ai pas trouvé de trench comme j'aime bien. Chaque année, je m'achète un ou deux trench. Et cette année, bah, j'ai rien vu. En général, j'aime les coupes plus évasées. Mais là, j'ai rien vu de spécial. Et celui-ci est plutôt droit. Je vous remettrai la photo. De toute façon, vous me voyez en train de défiler avec, mais il est quand même super sympa et depuis que je l'ai, en fait, j'ai directement ouvert la boîte et je l'ai porté le lendemain et je le porte quasi tous les jours maintenant en fait. Voilà, donc un super trench de La Redoute en taille 50. Toujours chez La Redoute, j'ai commandé un petit gilet avec une paille palmine, mais qui en fait porté est plutôt sympa, le voici. C'est un peu une coupe perfecto avec la tirette sur le côté et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a de la dentelle.
de la dentelle à l'intérieur. C'est en laine, en maille, avec de la dentelle à l'intérieur, une tirette sur le côté et des poches sur les côtés. Mais ce ne sont pas des poches ouvertes, ou alors il faut vraiment tirer dessus. Enfin, moi j'ai toujours peur de casser les poches quand je vois qu'elles sont fermées. Parfois c'est juste des petits fils, mais là je pense que c'est pas vraiment du tout des vraies poches. Mais voilà, parce que derrière je vois qu'il y a de la dentelle quand même. Voilà, c'est un petit gilet qui paye pas de mine, mais qui en fait est plutôt sympa. Vous pouvez le voir sur la vidéo portier. Et pour finir, dernier article de ce haul spécial solde, c'est une robe. C'est une robe en jeans de la collection William Carnimola pour Tahissim. Alors William Carnimola, vous le connaissez certainement, c'est le monsieur qui fait Belle Toute Nue, enfin qui faisait Belle Toute Nue parce qu'il ne le fera plus. Et c'est une robe de sa dernière collection. Je vous ai souvent parlé de cette collection, cette collaboration avec la Redoute Tahissim qui est toujours très sympa, les modèles sont toujours géniaux. Moi, de ce que j'ai acheté l'année précédente, la qualité est très bonne. J'avais pris un perfecto, c'est un de mes perfecto préférés. Et voilà, cette robe encore est toujours super sympa. Je l'ai vue porter, j'ai suivi cette collection, j'avais envie de l'acheter et voilà, maintenant elle est à moi en solde. Je vais vous montrer l'étiquette, on voit le petit W de Louis. Voilà. Voilà qui conclut cette vidéo haul. Vous avez vu mes achats chez H&M, Asos, Forever 21 et La Redoute. J'espère que tout ça vous a plu, j'espère que vous avez bien vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en dessous de la vidéo ou sur mon blog ou sur les différents réseaux où je suis présente. Ma page Facebook, mon Twitter. Vous pouvez aussi, depuis un petit moment, m'envoyer des snaps parce que je suis présente aussi là-bas, même si je ne suis vraiment pas très active. Je vois quand même les snaps et j'essaye d'y répondre quand j'ai le temps. Voilà, si vous avez vraiment une question urgente, privilégiez plutôt Twitter, là je vois directement la question, je réponds quasi instantanément. Et voilà, j'espère vous retrouver bientôt avec une nouvelle vidéo. Je dois reconnaître que là, ça faisait un petit moment que je n'avais plus le temps d'en faire, mais les vidéos haul, montrer mes achats, je trouve que c'est vraiment toujours sympa et c'est ce qui me motive le plus en général à faire des vidéos. Mais voilà, j'espère vous retrouver bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Bonne semaine. Salut !